Bonjour Patrick, vous êtes un des organisateurs de Liège sur Sable 2013. Pouvez-vous nous dire quelles sont les nouveautés cette année de Liège sur Sable, justement ? Alors Liège sur Sable change complètement son concept, c'est vraiment, il y a plusieurs points importants. Le premier point, c'est le décor. On a un tout nouveau décor avec une couverture de 800 mètres carrés de tentes organiques qui peuvent couvrir 800 personnes. On a une implantation différente, on divise les 10 000 m² en 5 zones principales, pleines de jeux, sport, plage, horeca et un espace lounge. Ensuite, on a changé le système de dynamisation de l'événement, c'est-à-dire qu'on dynamise les journées maintenant, on ouvre la porte aux ASBL, aux associations, clubs sportifs, on leur met le lieu à disposition gratuitement. Donc ça veut dire qu'eux viennent organiser un événement dans l'événement. Et ça nous permet à nous d'entre guillemets un petit peu déléguer l'organisation de certains événements dans l'événement, et ça nous fait de la visite sur le lieu. Ensuite, à côté de ça, on a rajouté toute une multitude d'activités en journée. Donc on va vraiment avoir au quotidien des activités de type, on va avoir un flash mob tous les samedis après-midi répétitif pour avoir un flash mob final le dernier dimanche. On espère qu'il y ait plus de 1000 personnes. On a des activités bateau, on a un hélicoptère qui va venir faire des baptêmes de l'air tous les week-ends. Et on a aussi créé un horaire qui est le identique tous les jours. Tous les matins de 10h à midi, on a un cours de danse collectif ouvert à tous. Monsieur et madame tout le monde peuvent venir à ce cours de danse collectif qui est donné par des professeurs professionnels. On a de 13h à 18h des initiations sportives données par des clubs sportifs et de 18h à 20h des spectacles de danse donnés par des écoles de danse professionnelles. Voilà, donc en gros, maintenant Liège-sur-Sable devient un événement familial, un événement entre amis où les amis peuvent venir se détendre, où les familles peuvent venir se détendre. La plaine de jeux, par exemple, est clôturée complètement avec des transats, avec toutes les activités dynamisées par une monitrice pour vraiment gérer et encadrer tout ce qui se passe dans la plaine de jeux. À savoir, elle sera 4 fois plus grande que l'année passée. Et donc, ce système avec moniteur, monitrice est aussi le même dans la partie plage et sport. Et donc en échange par exemple d'une carte d'identité, eh bien, on peut obtenir un ballon de volley ou des raquettes de badminton ou un jeu pour aller jouer à la pétanque. Et pour les animations sur l'eau, qu'est-ce que vous nous proposez cette année? Alors donc voilà, ça c'est tout nouveau. On a la certitude d'avoir une équipe professionnelle de wakeboard qui va venir faire des démonstrations sur l'eau. On a aussi une activité bouée, un bateau qui tracte des bouées. Enfin, je mets des petits guillemets parce qu'on a appris qu'aujourd'hui qu'il y avait peut-être... on est encore dans la partie de création de l'événement. Donc on a plein d'idées, on a plein de projets. Maintenant, il faut vraiment... On veut que tout soit cadré et qu'on réponde à toutes les conditions que la ville nous demande aussi. Et donc voilà, on a ces jeux d'eau. On a le Sea Sky, où on va avoir une démonstration de Sea Sky. Donc c'est une personne qui met un harnais autour de lui et qui a des jets d'eau aux pieds et aux jambes. Et alors, en fait, il vole sur l'eau, comme ça. Donc voilà, ce sont les animations eau. Alors évidemment, sur le site aussi, on va mettre des brumisateurs. Il n'y aura pas de piscine, peut-être pour les années suivantes, mais il y aura des petites activités d'eau, il y aura des douches. Où les gens pourront se rafraîchir, parce qu'évidemment, comme on a commandé le soleil pour l'été, on pense à pouvoir rafraîchir les gens. Et où est-ce qu'on peut accéder donc à un site internet pour qu'on puisse accéder justement à votre agenda ou aux activités qui seront proposées tous les jours sur Liège sur Sable cette année? Alors donc on a mis pour le moment, on est en train de recréer un tout nouveau site internet. Vu que l'événement est nouveau, ben, on crée un nouveau site internet qui sera disponible à partir de juin au grand public. Pour le moment, on a une page avec, on va dire, le communiqué de presse, le dossier de presse, vraiment ce qui explique comment est le nouveau concept de Liège-sur-Sable. Sur ce site internet, sur le nouveau site internet, il y aura la possibilité de s'inscrire à toutes les activités publiques, donc toutes les activités qui sont organisées par les ASBL, écoles et autres. Il y aura vraiment moyen de s'inscrire. Je pense à ça, par exemple, maintenant, on aura une après-midi de cours de danse où les gens pourront venir apprendre à danser une danse, et le soir, de 18 à 20 heures, ils pourront faire la démonstration auprès de tout le monde de ce qu'ils auront appris. Donc vraiment, le site internet sera vraiment dynamique.
Lac, et autant que Liège-sur-Sable, mais ce sera pour juin. Et alors, à la mi-juin, on présentera, lors d'une deuxième conférence de presse, on présentera tout le programme avec les partenaires. On voulait vraiment mettre l'accent aujourd'hui, on était obligé de le faire en deux fois, parce que ben, voilà, l'événement, la création du nouvel événement demandait à faire des conférences de presse en plusieurs étapes. Simplement, c'est qu'on voulait vraiment, ce coup-ci, taper sur la table un gros coup et dire, voilà, Liège-sur-Sable, c'est un autre concept, c'est familial, c'est amical, c'est dynamisé, c'est encadré avec un décor complètement différent, uniformisé. Et alors après, on présentera tout ce qui est programme et partenaires lors de la deuxième conférence de presse. Comment peut-on accéder aux écrans qui seront disposés sur Liège-sur-Sable? Alors d'une part, toutes les activités pour les ASBL, toutes les personnes qui veulent organiser un événement, pour eux c'est gratuit. Les entreprises par contre, là l'encadrement est différent, le service qui est mis à disposition est différent. Donc là pour les entreprises qui veulent venir organiser un family day ou un team building ou un repas dans notre espace lounge, là évidemment c'est payant parce que l'encadrement est différent. Alors maintenant, donc le financement de l'événement est différent, ça se fait via du sponsoring. Donc pour le moment, nous avons bouclé notre budget pour tout ce qui est du décor. Et donc nous ouvrons la porte officiellement maintenant, depuis aujourd'hui pour la première fois, nos espaces de visibilité. Donc on a trois systèmes principaux différents. C'est qu'on a un écran géant de 10 mètres carrés, où là il est possible d'avoir une visibilité pendant 25 jours. Bon, si on reprend les chiffres de l'année passée, 120 000 visiteurs, donc c'est quand même assez conséquent. Où là, pour 3 000 euros, il y a moyen d'avoir une publicité de 30 secondes dynamique. Pour 1 500 euros, on a 6 écrans qui sont dans le bar public. Et pour 950 euros, on a 4 écrans qui sont dans l'espace lounge. Voilà, ça ce sont les trois principaux. Il est possible aussi de prendre le nom d'un de nos espaces, donc d'un des 5 espaces. Mais c'est en contactant les organisateurs qu'on donne les prix. Justement, pour pouvoir bénéficier donc de ces visibilités, vous avez fait appel à certains médias. Quels sont les médias cette année? Alors donc, on donne la possibilité, donc on a un accord avec les médias, donc on a RTC qui va venir, qui va mettre les petits plats dans les grands. On annoncera l'accord final lors de la conférence de presse de juin. On a la DH qui va aussi mettre les petits plats dans les grands. On annoncera aussi l'accord final en juin. Et alors on a une quinzaine de radios régionales de la région de Liège. On a changé cette optique parce qu'on s'est dit, voilà, 15 radios locales qui parlent avec le cœur et qui diffusent à une série de publics différents, ce serait plus porteur. Et comme l'événement est familial, on fait vraiment tout dans le familial, c'est comme pour par exemple les étudiants qui veulent venir travailler, eh bien, on a pris une entreprise liégeoise, enfin, qui a pignon sur rue à Liège, qui s'appelle Équipe Intérim et qui va recruter tous nos étudiants qui vont travailler pendant l'été ici à Liège-sur-Sable. Merci beaucoup, Patrick.